Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du lundi 29 novembre 2021. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, je vous souhaite de passer une excellente journée. On va commencer avec une coupe de l'oracle de la triade. Alors nous avons pour commencer la femme. Donc là, on va faire appel à notre ressenti et l'alpha. Donc là, donc si vous êtes une consultante, bien sûr, ça vous concerne. Si vous êtes un consultant, on va d'autant plus aborder les qualités yin féminine, intuitive, accueillante, attentive, hein, bien entendu, de la personnalité. Et là, avec l'alpha, on annonce le début de quelque chose. Donc, on s'apprête à faire quelque chose de nouveau ou à reprendre une activité là où on l'avait laissée, probablement. Ensuite, il se peut que vous appreniez quelque chose aujourd'hui et avec tous ces triangles-là, moi j'ai l'impression que les gens qui ont des métiers techniques vont avoir une journée assez riche en événements ou en idées ou les deux. Voilà, alors on va voir avec le tarot de Marseille ce que l'on peut ajouter comme indication complémentaire. Donc je vais prendre celle-ci et nous avons l'empereur. Donc ici on voit une assise véritable. Alors on a une période où l'on a bien construit sa vie selon des règles bien établies. Pour les gens qui sont donc dans des métiers techniques là, un stade solide donc a été atteint. Il pourrait y avoir une période de réflexion avant nouveau départ. On va développer, hein, bien entendu, avec le petit Lenormand. En tout cas, ce qui est bien ici, c'est la qualité yang masculine ici de l'empereur qui vient en complément de la qualité yin. Donc, on met son intuition et son imagination au service de choses très pratiques et pragmatiques. Et à l'inverse, si on a de l'argent ou acquis un savoir technique ou quelque chose, on peut le mettre au service d'un nouveau projet, peut-être artistique, peut-être créatif. Donc, si vous êtes dans les métiers du spectacle, vous aurez peut-être avoir besoin, je ne sais pas, d'un ingénieur du son, quelqu'un à la lumière. Enfin, vous voyez, on a vraiment des choses qui se complètent comme ça. Pour les autres corps de métier, c'est simplement au niveau des caractères que certaines personnes vont bien s'entendre. Certains seront plus lunaires, d'autres plus solaires, vous voyez. Donc, on est plutôt dans les opposés complémentaires qui s'enrichissent mutuellement l'existence en fait. Et là, c'est quelque chose qui commence ou qui recommence dans certains cas. Alors, je prends le nouvel oracle du petit Lenormand. Toutes les cartes sont indiquées, hein, sous la vidéo. Donc, c'est un petit Lenormand de grande taille. Alors, on va voir la coupe avec les chemins, le chemin ici, voilà, la croisée des chemins, et on continue avec les nuages. Donc, pour ceux qui hésitaient encore, en fait, là, grâce à une idée géniale ou simplement des circonstances favorables, eh bien, le chemin à prendre est plus aisé, on est beaucoup plus sûr de soi. Et si on avait eu le choix entre deux solutions, on en choisit une, pas forcément celle qui paraissait la plus simple au départ. Bon, après, cela, c'est forcément c'est vous qui voyez, mais qu'il s'agisse donc de vie professionnelle, de vie privée, ou même simplement de lieux où se rendre.
pour faire des choses en particulier, eh bien là, le choix est fait. Et là, c'est vous qui, bien entendu, prenez en fonction de vos vies respectives le message. Je vais continuer avec trois autres cartes de ce même jeu. Alors, nous avons l'ours. Donc là, on confirme que c'est une très bonne solution. Le livre, donc si l'on a besoin de se former davantage, c'est la bonne période. Donc c'est une bonne période pour les gens qui songent reprendre des études ou des formations aussi. Et la tour. Donc là, on a un rythme qui va forcément être changé. On va avoir aussi des surprises. J'ai le mot, je ne sais pas pourquoi, stupéfaction qui m'est venue. En fait, on se rend compte d'une chose qu'on n'imaginait pas. Je pense que cette chose est positive. On apprend quelque chose et cela nous évite de faire une erreur en particulier. Donc, ça peut être au travail, ça peut être aussi dans nos rapports avec une personne ou des personnes. L'ours ici vous indique que c'est réel et que c'est concret, hein. Il vient bien compléter notre empereur ici. Et dans certains cas, vous demanderez à une personne de prendre ses responsabilités ou il vous sera demandé à vous de prendre une responsabilité en particulier. Alors, je prends les cartes divinatoires d'Algariel à présent pour un complément. Nous avons ici la clé. Donc là, c'est vraiment très bien la clé parce que ça montre que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez ou que vous allez trouver une solution, une réponse. On vous dit également que l'on vous fait confiance, hein. On peut vous donner la clé d'un établissement. La tour, ça peut être un établissement public, ça peut être l'administration, ça peut être quelque chose de public ouvert au public, hein, ça peut être des archives, par exemple une bibliothèque, ou quelque chose en rapport avec votre métier, et des archives. Hein, voilà. Et ici, nous avons donc cette bâtisse en haut d'une falaise. Donc là, on a un observatoire et un lieu assez ancien. C'est positif. C'est positif. Donc pour les personnes qui ont des responsabilités, de hautes responsabilités, on est dans une bonne période où on vous fait confiance. Également, là, cette notion d'observatoire, ça fait penser à des gens qui sont dans des métiers autour de la technique ou de l'observation, quel que soit le métier, des choses un peu de pointe, hein. Voilà. Et puis, donc, des comptes à rendre à une hiérarchie assez imposante ou savante. En tout cas, une hiérarchie très très organisée et très respectée dans certaines catégories de socio-professionnelles en tout cas. Voilà. Pour ce qui est de la vie de famille, ici, on voit que au niveau de l'orientation de certains jeunes, les choses reprennent leur cours et ben, ça confirme ce que j'avais dit là récemment. Je ne sais plus si c'était dans une guidance mensuelle ou quotidienne, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un ou des jeunes qui reprennent du poil de la bête parce qu'on les aide mieux sur leur orientation scolaire ou professionnelle. Voilà, après, vous voyez selon les âges, hein. Alors, on va prendre à présent une carte de conseil des oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Avec cette jolie illustration au dos. Et je vais prendre celle du dessus. À la rencontre de votre âme sœur.
Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors là, c'est vraiment complémentaire hein, à la guidance qui était très autour des activités quotidiennes. Hein. Donc là, on parle d'amour. On peut rejoindre effectivement l'amour ici avec l'association du féminin et du masculin. Hein. Et le livre et la tour, on peut envisager dans certains cas effectivement de passer devant le maire pour un pax, pour un mariage, hein, pourquoi pas. Donc c'est un complément absolument bienvenu au début de cette guidance. Voilà, donc des associations de tout type en perspective, quelque chose qui va loin, des choses qui avancent. Et pourquoi pas la clé d'une nouvelle maison, hein, d'un nouvel appartement ou d'un nouveau travail, d'un nouveau local où travailler. Voilà, un nouveau contrat, quelque chose comme cela. Donc lundi, c'est vraiment là le début d'une bonne semaine à mon avis. Alors je vais retirer quelques grandes cartes ici et on va passer à la guidance qui sera posté sur ma page Instagram, donc pour compléter encore plus hein, ce tirage. Voilà. Alors, on va prendre le tarot de Marie Hanson Roberts. Alors, j'ai la carte des amoureux qui vient de se retourner. Donc là, ça confirme donc les choix hein, que l'on prend et qui vont s'avérer à la fois bon pour soi et raisonnable aussi. En amour, c'est un excellent signe, hein, donc ça confirme bien ce que disait la carte oracle de Marie-Hélène Coulombe. Et donc, je vais en prendre une autre, et nous avons l'as de denier ici. Donc là, pour les choses qui commencent, pour les couples qui commencent leur vie à deux, pour les rencontres amoureuses, eh bien, c'est une journée ou un début de semaine très faste. On le voit bien ici. Hein. C'est vraiment très bon. Donc, comme j'ai pris deux cartes, je vais les garder ici. Et puis, donc, je vais prendre deux petits Lenormand. Ou alors, non, vous savez quoi, je vais garder ces deux cartes. On va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On va prendre ces deux cartes et on va prendre une petite le Normand classique. Là. C'est un jeu mini. Hein. Et donc, je vais en tirer une. Elles sont pratiquement aussi compliquées à battre que les très grandes. Et là, nous avons le trèfle. Donc, c'est vraiment une très très belle période de chance. Très belle période de chance. Voilà. Et donc, on va prendre une carte de ce petit jeu. Et ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est un jeu que j'ai acquis récemment, que j'ai pu utiliser. Donc, le petit oracle de... Voilà. Donc, c'est indiqué sous la vidéo au moment où vous le voyez de toute façon. Et bien entendu, ce sera indiqué sous l'image, à côté de l'image sur Instagram. Mais là, ça ne me revient plus. J'ai un trou. Alors, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah, vous voyez, hein, on a encore de belles choses là qui n'ont peut-être pas encore été décelées dans ce tirage, qui sont annoncées. Hein. Voilà.
Eh bien, écoutez, on va voir ça en détail lundi matin quand je posterai sur Instagram cette photo hein, et ma guidance en relation avec ces images. En attendant mardi, je vous fais plein de bisous et passez une bonne journée. Namasté, au revoir.